à Stéphanie de Monaco. Alors, c'est le générique d'une série télévisée. Non, c'est pas Dallas. Ça s'appelle Rawhide. Et c'est une série télévisée où a joué un grand acteur américain quand même. Il a débuté Clint Eastwood. Ah, Rawhide. Train, 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 elle a dit. In English de Pamiers, train, train, train. C'est bien. Donc on est parti pour le quiz cinéma, va falloir deviner un film. Hein. Vous êtes concentrés, les candidats, là? Oui, on peut les dire en français. Mais c'est pour Dracula. Il faut savoir ce que ça veut dire en anglais. Alors, on commence. Un film américain de 1957. Oh, c'est facile. Elle était comme le poisson pendu, elle n'était pas née. Bon. La chanson du film a été classée 87e plus grande chanson par le magazine Rolling Stone en 2003. Vous pouvez aider, hein? Alors? Une chanson reprise par ZZ Top en 1975 et les Blues Brothers en 1980. Oh ben, dis donc, vous n'avez pas révisé vos classiques, hein? C'est trop bien, ça. Alors, l'histoire du film. À sa sortie de prison, où il a appris à jouer de la guitare, un prisonnier décide de percer dans le milieu de la musique. Alors, elle a trouvé que l'acteur principal était Elvis Presley. Le rock du bagne. Ouais, c'est ça, c'est Jalous Rock. Jalous Rock. Allez, on continue.
Bon, ben, c'est un prisonnier qui va poser des questions. Hein. Alors, un film muet en noir et blanc. Ça vous parle pas, un film muet? Non. Un film français qui se passe à Hollywood. Ah, ils ont déjà trouvé des artistes. Alors, je vous dis la suite quand même. À Hollywood, un célèbre acteur de cinéma muet est ruiné par le crash de 1929. En une soirée, il va perdre sa fortune, sa notoriété et sa femme. Rien. Il reviendra sur scène en faisant un duo de casquettes avec sa femme et son chien. C'est un film sorti en 2011, 10 nominations aux Oscars, acteurs principaux. Et... Ah, les femmes ne vous attendent pas. Bérénice Bejo. C'est ça, The Artist.
Ouais, 2003, il y en a pas eu beaucoup en 2003 des films. Ça vous dit rien? Ouais. Alors, c'est un film basé sur une attraction d'un célèbre parc de loisirs. Jurassic Park, perdu. Euro Disney, perdu. Obélix et Astérix, perdu. J'y croyais, hein? Ah bah non, t'as pas dit des choses. Le premier d'une série de 4 films, dont le 5e est prévu en 2017. Donc vous avez acheté vos tickets? Pirates des Caraïbes. Voilà. Alors Pirates des Caraïbes, l'histoire, tout le monde la connaît? Une histoire de pirate, hein? La fille du gouverneur est prise d'un forgeron, fils de pirate. Les acteurs. Johnny Depp, elles sont retenues que ça. Hein. Johnny Depp. Et Orlando Bloom, rien. Allez, c'est ça. Les pirates des Caraïbes. Attention, il y a l'île des pirates qui arrive. Attention à la mort, attention. Hein. Les deux corps ne sont pas de Roger et Donald Cardwell, mais de nous. Bravo. Joli. On fera une exposition hein, bientôt. Voilà. Ah ben non, c'est pas ça. Thank you.
arrive.